Bonjour à tous, nous allons voir aujourd'hui avec le logiciel Pinnacle comment insérer des images. A tout de suite. Donc nous voici dans le logiciel Pinnacle. Donc on va venir sur l'outil sur votre gauche, photo. Donc par défaut, Pinnacle va se retrouver dans le dossier mes images. Mais non, rien ne vous interdit d'aller chercher sur votre ordinateur d'autres images dans d'autres dossiers. Donc là, moi, je vais rester classique, mais c'est très simple d'aller chercher vos photos. Donc ici, j'ai quelques photos. Donc je prends ma photo et je vais la faire glisser sur ma fenêtre de montage. Donc là, je clique et ma photo apparaît. Si j'en veux une deuxième, et ben je peux en mettre une deuxième, une troisième et une quatrième. Comme les vidéos, quand elles ont été, quand elles se retrouvent sur le banc de montage, elles ont une petite coche. Donc là, mes photos ont été utilisées. Donc, si je veux zoomer pour voir mon banc de montage plus précisément, voilà. Si je veux agrandir la durée de temps, ben je vais tirer vers la droite. Si je veux raccourcir, je peux raccourcir. Voilà mes photos. Donc ensuite, comme sur les vidéos, je peux mettre des transitions. Rien ne m'interdit de mettre une transition. Hop. Je peux mettre une transition. Alors les transitions peuvent être beaucoup plus courtes. Donc, pas hésiter à zoomer pour voir. Hop. Là, je peux raccourcir vraiment mon temps. Hop. Je raccourcis. Voilà. Donc là, ensuite, je veux voir comment ça se passe. Donc je clique sur ma photo et là, je vais utiliser et hop. Et sur ces photos, je peux y ajouter des titres et des sous-titres, comme on a vu dans une leçon précédente. Voilà. Je vous remercie de votre attention et à très bientôt.